Congo a été mise en œuvre pour valoriser les mains de notre cher village Balevin. Parce que vous voyez, nous avons des mains qui ont été concordées par nos grands-parents et voire même nos arrière-grands-parents qui sont encore là aujourd'hui, que nous voyons encore dans nos tables. Nous nous sommes donc dit, le rendez-vous culturel qui aura lieu à Balevin du 20 mars au 3 avril, pourquoi ne pas organiser un concours pour valoriser les mains de notre très cher village. Nous avons donc lancé ce concours qui est ouvert à toute jeune fille, à toute femme, à toute maman, à toute grand-mère qui aimerait bien mettre ses talents en avant. Donc ce concours concerne 10 mains que nous avons sélectionnées pour pouvoir pérenniser ces mains. Et les 10 mains sont les suivants. Et nous avons pensé au Membo, nous appelons en patois Membo, mais qui est en réalité quoi? Le gâteau d'arachide frais qui est mélangé aux légumes verts de chez nous. Nous avons pensé au Menda. Le Menda, c'est le râpé de banane. Ou alors, on peut râper la banane comme on peut râper le gros, tout type de banane que nous emballons dans les feuilles à l'huile rouge. Nous avons pensé au Ngisansi, qui est le gâteau de maïs aux arachides grillés. Nous avons pensé au Ngisamelior, qui est le gâteau de maïs aux feuilles de taro. Nous avons pensé au Ngun, qui est cette igname séchée qui est pilée à l'huile rouge. Nous avons pensé au Panano. Le Panano, c'est une nourriture des notables qui n'est rien d'autre que le taro, la sauce jaune bio. Et nous précisons bio parce que cette sauce jaune ne sera pas faite avec le sel GM, mais sera faite avec le sel GM naturel qui n'est rien d'autre que la cendre que les mamans prennent après leur feu et qu'elles mettent de l'eau pour extraire. C'est ça que nous appelons le sel GM bio. Nous avons le pain Namelion et Nachichi. Namelion, c'est une sauce à base des feuilles de taro. Et Nachichi, c'est une sauce qui est faite à base de l'aubergine, que nous appelons en patois le chichi. Nous avons également pensé au Mukunchi. Le Mukunchi, ce n'est rien d'autre que le pilet de pommes de terre aux haricots noirs. Nous avons pensé au Metitanzap. Le Metitanzap, ce n'est rien d'autre que les pommes, le pilet de pommes aux légumes verts de chez nous. Et enfin, pour ce concours, le 10e plat, le Leponchi, c'est ce mets que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient l'habitude de concorder, qui n'est rien d'autre que le pilet de melon, le melon que nous appelons en patois le porc aux arachides grillés. Et donc, ce jour du 2 avril, ce concours est lancé à 10h et nous aurons beaucoup de candidats qui vont compétir, mais on aura à la fin un gagnant par mai. Et ce gagnant par mai sera primé lors de la clôture de notre festival qui aura lieu le 3 avril à l'esplanade de la place publique de Balevin.